est venu en 2015 donner une première version, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas refaire ce spectacle, mais en travaillant davantage encore sur les lieux, parce que ce qui est assez exceptionnel, déjà c'est le site par lui-même, et bien sûr ce lieu est étonnant visuellement, mais surtout acoustiquement. Pour nous, musiciens, c'est un trésor, donc il fallait essayer de révéler ce trésor. L'idée, c'était de le faire découvrir aussi les vertus acoustiques de ce lieu. Or, ce lieu est multiple, varié, bien sûr exceptionnel, inattendu, insolite. Donc, les vertus acoustiques aussi de ce lieu, c'est à nous, musiciens, de les faire ressortir. À chaque lieu, il y a une pièce qui lui est dédiée. Par exemple, donc j'ai installé un groupe de percussion en bas de l'orifice, ce qui fait que lorsque les gens descendent par le grand escalier, ils s'approchent en fait d'une source acoustique faite de peaux et d'objets sonores industriels. Et au fur et à mesure, les voix s'installent et on franchit les escaliers. On accède à la rivière sur laquelle les 14 barques sont en enfilade et dans laquelle il y a une pièce américaine qui est chantée a cappella. Et ensuite, on accède au lac de Gourgues, sur le Grand Dôme. Et à chaque fois, il y a un répertoire qui est composé, bien sûr, comme je le disais, d'œuvres d'aujourd'hui, mais en plein de langues. On va chanter en japonais, en russe, en norvégien, en américain, voilà, un peu de français, bien sûr. Mais en fait, ces langues ont aussi été choisies en fonction des lieux et de l'espace. Parce que, bien sûr, à chaque fois, on a 120 personnes, un public de 120 personnes. Donc, je pense que le public va redécouvrir ce lieu avec ses oreilles et pas seulement ses yeux.